Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers internautes, merci d'être branchés, connectés sur IVP de Mac, Canal Impact, pour suivre cette émission très empoudie HDV. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Cette émission très empoudie HDV, c'est une émission socio-culturelle politique, c'est-à-dire nous analysons des questions politiques, particulièrement sur la situation de la République démocratique du Congo. Pour cela, je ne suis pas seul, je reçois pour vous un acteur politique au nom de Monsieur Willy Tchinga. Monsieur Willy Tchinga, c'est un membre de la majorité présidentielle, puis au sein de MSR, Mouvement Social pour le Renouveau. Avec Monsieur Willy Tchinga, on va essayer de parler sur des questions politiques de notre pays, la République démocratique du Congo, à qui je dis déjà bonjour Monsieur Willy Tchinga. Bonjour Monsieur Trésor Poudi. Monsieur Willy Tchinga, merci d'avoir répondu à notre invitation, d'autant qu'à chaque fois que nous avons besoin de vous, vous avez toujours été vraiment présent pour nous. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Ok, Monsieur Willy Tchinga, vous et moi, nous avons suivi l'élection d'Emmanuel Macron. Ça dit, s'il faut parler un peu de l'actualité internationale, l'actualité oblige. Emmanuel Macron est à la tête de la France. Un homme, un jeune homme qui est parti du néant, presque du néant. Il n'a jamais été élu, mais aujourd'hui, il est le président de la France. Quelle analyse faites-vous? Oui, c'est l'avènement de cette année 2017. En regardant Emmanuel Macron accéder au pouvoir à l'âge de 39 ans, c'est vrai qu'il y a eu d'autres présidents de la République qui étaient trop jeunes pour pouvoir accéder au poste du président de la République. Je vais prendre là comme exemple Joseph Kabila Kabange. L'avènement d'Emmanuel Macron, je voulais juste rectifier quelque chose parce qu'il était ministre avant d'être président. Donc il était d'abord dans le sillage du chef de l'État français, l'ancien chef de l'État français. François Hollande. Il était son conseiller aussi. Ouais. Et puis ensuite, il a été nommé ministre de l'économie. Ouais. Il a fait 2 ans. Et ouais. Après sa nomination, en fait, après son fonction au poste du ministre de l'économie, ouais. Après 2 ans, il avait démissionné, ouais. Et pour faire son chemin. Ouais. Et ce chemin-là l'a amené à la tête de la République française. Mais au départ, il était minimisé par pas mal de politiques, des politiciens de la France, pour dire que voilà, il n'a pas vraiment une carrière politique assise. C'est quelqu'un, c'est comme s'il n'était pas mature, il n'était pas prêt pour accéder à cette fonction, mais voir le défi qu'il a pu relever, est-ce qu'on peut dire que ce ménage, l'heure où on peut tourner la page par rapport à la classe politique partout dans le monde? Oui, je pense que c'est ça la magie de la politique. C'est vrai qu'en politique, on sous-estime beaucoup. Je pense aussi qu'avec l'accession de Emmanuel Macron à la tête de la France, les gens doivent changer et la façon de voir les choses. Et puis, ils doivent changer la façon de faire des analyses politiques. Parce que, contrairement à toute attente, on a vu Emmanuel Macron accéder au pouvoir, alors qu'il n'y a personne qui l'avait accordé la chance, qui sera le président de la République. Voilà, pour moi, c'est la démocratie et la genèse, si je peux dire ainsi, et les changements ou l'alternance qui a triomphé. Voilà, c'est que je peux répondre. On va pas s'éterniser là-dessus, mais juste une petite réflexion. Lors de passation de pouvoir, chez nous, ça n'a jamais existé. C'est-à-dire un ancien président puisse passer le pouvoir à un nouveau président élu. Vous rêvez aussi ces moments magiques, s'il faut dire de la sorte? Pour nous, à la majorité présidentielle, c'est notre souhait et notre vœu de voir la remise et reprise, c'est-à-dire Joseph Kabila, notre président actuel, oui. Et l'initiateur aussi de mon parti politique, oui. Faire la remise et reprise
avec un autre président de la République. Ça fait aussi plaisir de parler aussi de notre ancien président. Ça fait aussi plaisir. C'est l'objectif. Pourquoi j'ai dit que c'est l'objectif de la majorité présidentielle? Parce que d'accord. On cherche à arriver aux élections crédibles, apaisées et transparentes. C'est ce qui va amener un président qui ne sera pas contesté. C'est ce qui va amener l'alternance dans notre pays. Et c'est cette question que les chefs de l'État s'étudent jour et nuit pour qu'on ait les élections crédibles, transparentes et apaisées, pour qu'à la fin, s'il y a des résultats, que ça ne soit pas contesté. Et puis, il n'y a pas eu de contestations. Chez nous, il y a toujours des contestations depuis 2006, 2011. Et ça continue. À chaque fois qu'il y a les élections, il y a toujours des contestations, tout et tout. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer un peu d'arriver à ces niveaux, comme la France, Marine Le Pen a appelé Emmanuel Macron pour lui adresser des félicitations. Il a assumé son échec. Il a encouragé Emmanuel Macron, malgré les divergences d'opinions, de programmes, de sociétés, tout et tout. Mais chez nous, qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions y arriver peut-être à ces niveaux? Qu'est-ce qu'il faut, oui, M. Oulitinga? Oui, d'abord, il faut savoir une chose. Nous, on est l'Afrique. Ici, il y a l'Europe. Oui. Il faut savoir faire la part des choses, parce que la démocratie que nous appelons de vœux, qui soit effectif dans notre continent. Nous devons savoir qu'ici, il y a plus de 300 ans qu'ils ont eu ces démocraties-là. Aujourd'hui, si on dit, c'est vrai aujourd'hui, si on dit que s'il est arrivé qu'il y a des élections dans notre pays aujourd'hui, comme on le souhaite bientôt, là, selon les accords des Saint-Sylvestre, si un président qui est passé démocratiquement, comme nous les souhaitons, ça sera difficile qu'il n'y ait pas de contestation, parce qu'on est encore loin de la France. C'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais j'aime dire, on voit des réalités. On voit des réalités ici. Vous et moi, on vit en Suisse. Et vous savez très bien qu'en Suisse, il y a la tolérance. Vous savez très bien qu'en Suisse, il y a la liberté d'expression. Vous savez très bien qu'ici, en Europe, les gens respecte les opinions des autres. C'est ce qui va poser le problème en Afrique, parce que même nous qui vivons ici en Europe, nous qui sommes étrangers, on a de la peine à respecter les choix de l'autre ou les pensées de l'autre. Comment voulez-vous que du jour au lendemain, qu'on fasse des élections, que personne puisse contester? C'est vrai, même si en Europe, il y a des gens qui contestent quand même, hein, mais ce n'est pas comme chez nous. Ce n'est pas comme chez nous. Je vais vous donner les cas de Donald Trump aux États-Unis d'Amérique. Pendant la campagne électorale, Donald Trump contestait déjà des résultats. Vous voyez cette nuance, les États-Unis d'Amérique, un candidat à la présidence. Et jusqu'à ce jour, ça pose problème. Ça pose problème. Il y a eu des tricheries. Voilà, c'est pour cela que je dis que la contestation. Sur le plan informatique, la contestation, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a Emmanuel Macron qui passe, mais tu ne vas pas me dire qu'il y a une personne quelque part en France qui dit que non, ce n'est pas vrai, il n'est pas passé. Peut-être si Marine Le Pen qui est passée. Voilà, la contestation, c'est toujours d'actualité partout. C'est naturel. Mais la dose de la contestation, c'est ce qui fait un peu la différence entre nous, en fait, les Africains et les Européens, ou encore plus les Américains. Ok, merci. Nous souhaitons bonne chance à Emmanuel Macron, si jeune. C'est le temps de la jeunesse. Et espérons qu'il va apporter peut-être des changements à la France qui connaît pas mal de difficultés ces derniers temps. Revenons dans notre pays, le Congo. Nous sommes ici en Suisse. Je rappelle que nous tournons cette émission ici en Suisse VV. Je reçois M. Oulitinga, un homme politique. M. Oulitinga, il y a déjà le gouvernement Bruno Tshibala, et puis les gens clament déjà des contestations. C'est comme si tout le monde n'est pas vraiment satisfait, pendant qu'on ne peut pas, on ne saura jamais satisfaire tout le monde. Par rapport à ces gouvernements qui a été déjà publié, juste un mot. Moi, d'entrée des jeux, je vais. Là, je réponds comme citoyen congolais. Je soutiens à 100% cette
gouvernement de Bruno Tshibala. Parce que je pense, si je regarde les gens qui contestent, ils ne contestent pas les gouvernements, mais ils contestent parce qu'ils ne se sont pas retrouvés dans ces gouvernements-là. Alors moi, je vais répondre simplement... Pendant qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Je peux répondre qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Je pense que le président de la République ne peut pas nommer tout le monde au poste ministériel ou à la tête de la primature. Ça sera pratiquement impossible. Alors moi, c'est le conseil que je peux donner à la population congolaise ou à la classe politique, toutes tendances confondues, de soutenir le gouvernement Tshibala. Parce qu'on nous a assigné que... Avec ces gouvernements, les deux dialogues du 18 octobre et du 31 décembre nous a assigné les élections. Et ces gouvernements est là pour organiser les élections. C'est vrai que ça ne sera pas que des élections, ça sera aussi les sociales des Congolais, parce que la population congolaise souffre. Moi, je peine grave, si je peux dire ainsi, de voir encore... Au jour d'aujourd'hui, les politiciens qui continuent à réclamer le poste, et plus grave encore, qui disent qu'il y aura encore troisième dialogue. Mais attends, il faut penser à notre population. C'est la population qui souffre. Aujourd'hui, on a plusieurs problèmes à résoudre au Congo. Il y a l'insécurité à l'Est, il y a l'insécurité au Kasaï central, avec le phénomène Kamwenansapu. Il y a toutes sortes de problèmes qu'on a au Congo qu'on doit résoudre. Aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur le partage de pouvoir, sur les positionnements pour avoir des postes ministériels. Alors ça, c'est rabaisser la population congolaise. Et puis, je pense aussi que cela manque la maturité politique, la place, la classe politique congolaise. Est-ce que croyez-vous que ces gouvernements maintenant, on peut dire enfin... on peut peut-être tourner la page de contestation pour aller maintenant résoudre les problèmes fondamentaux de la République démocratique du Congo, bien on risque encore de revenir avec le gouvernement Sami Badibanga qui a été contesté aussi, et puis maintenant Bruno Tshibala, on peut dire maintenant enfin il faut tourner la page, ou bien il y a toujours à craindre. Je pense l'accord est là, l'accord a été signé le 31 décembre, l'accord de Saint-Sylvestre 2016. L'arrangement particulier a été signé. Toutes les composantes qui ont été dans les deux dialogues ont signé. En l'instar du rassemblement L limité, c'est-à-dire rassemblement qui est dirigé par Félix Tshisekedi. C'est là où se trouve le problème déjà. Et même ça, même ces rassemblements-là, on retrouve des personnalités de ces rassemblements qui ont signé les arrangements particuliers. Alors, si on regarde sur le plan de l'inclusivité, moi, je veux dire que le gouvernement Tshibala va faire son travail comme il se doit. Mais par là, je ne vais pas laisser... je ne vais pas rester indifférent avec nos frères du rassemblement délimité. Je leur donne comme conseil de soutenir le gouvernement Tshibala. Parce que eux, du rassemblement, elle, Félix Tshisekedi... Soutenir le gouvernement pendant qu'eux ne sont pas représentés. Justement, croyez-vous je vais arriver là. Est-ce qu'il faut... Pour soutenir un gouvernement, il faut figurer dedans impérativement. Non. Moi, je pense ils doivent, ces 32, ils doivent mettre l'eau dans leur vin pour essayer de regarder la souffrance de la population congolaise. Maintenant, moi, je viens mettre l'accent sur la souffrance de la population congolaise. Parce qu'aujourd'hui, ils vont commencer à faire des va-et-vient, comme on le voit, dans des officines, dans des organismes internationaux pour aller réclamer. Mais ça bloque, ça freine. Ça freine l'évolution, en fait. Ça freine que la population congolaise puisse respirer, enfin, quand il y a ces gouvernements. Mais elle lui mettait, c'est-à-dire le cube de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire s'il continue à contester, c'est parce qu'eux, ils ont dit que ce gouvernement, c'est un gouvernement de la trucherie, ils ont tout fait pour écarter IDEPES, enfin, de mettre un gouvernement en place qui va soutenir Joseph Kabila Kabange et non pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Vous dites quoi? Oui, moi je pense qu'il faut avoir la maturité politique.
la maturité politique, un homme politique doit avoir la maturité politique. Oui. C'est très important. On ne peut pas s'appeler un homme politique ou on ne peut pas s'appeler président ou responsable du rassemblement et que, dans l'autre sens, le chef de l'État vous invite, vous lance une invitation pour que vous vous présentiez devant lui, pour que vous puissiez discuter pour trouver des solutions justement pour ces problèmes. Vous déclinez l'invitation. Moi, je pense que nous devons avoir la culture d'abord de respecter les autorités du pays, de se respecter d'abord et de savoir que la personne qui nous a invités, c'est qui? C'est le chef de l'État. Quand vous déclinez l'invitation du chef de l'État, c'est comme si vous ne reconnaissez pas cette personne. En revanche, vous demandez que cette personne puisse vous nommer Premier ministre. C'est demander une chose et son contraire. Moi, je pense que tout ça s'englobe la manque de maturité de l'homme politique congolais ou de la classe politique congolaise. Nous devons avoir la maturité, la culture de l'excellence. Voilà. Monsieur Willy Tunga, en termes de rapport de force, lorsque l'UDPS ne figure pas dans ce gouvernement, ne voyez-vous pas que ce n'est pas une... C'est-à-dire la crise ne sera pas résolue ou la crise est résolue même sans UDPS? Aujourd'hui, je vais éviter de stagner ou de tourner autour de l'UDPS ou du rassemblement. Je pense que je suis venu ici pour parler de la population congolaise, surtout les sociétés congolais. Mais UDPS, c'est un grand parti aussi. On ne peut jamais, quand vous parlez de la population congolaise, c'est-à-dire UDPS est vraiment au centre. C'est l'un des plus grands partis de notre pays. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On parla de ne pas stagner sur, pour parler de l'UDPS. Je n'ai pas sous-estimé la grandeur de ce parti politique. D'accord. C'est un grand parti politique. Ça représente deuxième force politique dans notre pays. Parce que vous le savez très bien que moi, on mesure les partis politiques par des élections. Tu sais qu'il était deuxième aux élections de 2011, donc c'est la première partie d'opposition au Congo. Voilà. Par là, je ne sous-estime pas l'UDPS parce que je connais bien la capacité de l'UDPS. Mais aller dire que l'UDPS n'est pas représenté au gouvernement, ça sera trop. Parce que le premier ministre de ces gouvernements s'appelle Bruno Tshibala. Il vient de quel parti? Il ne faut pas revenir là-dessus. On ne va pas revenir là-dessus. Peut-être que vous allez me dire qu'il a été exclu. Il a été exclu, c'est ce que vous voulez me dire. Il a été déjà exclu. Mais sur quelle base? Il n'est pas compté parmi ces combattants de l'UDPS. Non, sur quelle base? Sur quelle base il a été exclu? Sur quel document juridique il a été exclu? Si on commence à entrer là-dedans pour savoir comment ça se passe. C'est la raison aussi qu'il a été choisi de l'autre camp. Non, je ne pense pas. C'est une réalité. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va contester Bruno Tshibala que c'était l'allié de toujours de Étienne Tshisekedi. Les proches aussi de Étienne Tshisekedi. Le proche, son compagnon d'élite. Il n'y a personne qui va dénier ça. Aujourd'hui, si je vois des gens de l'UDPS en train de dire que Bruno Tshibala ne fait pas le poids, et Bruno Tshibala a été exclu, des trucs comme ça, moi je trouve ça déplorable. Parce qu'on ne peut pas réduire une personne de cette grande envergure à ce niveau. Parce que tout le monde le sait au Congo. Jusqu'à la mort de Tshisekedi, Bruno Tshibala était à côté de Tshisekedi. Bruno Tshibala a été arrêté même en prison. On lui a proposé la poste de Premier ministre. Il a refusé parce qu'il ne pouvait pas. Avec les accords de Saint-Sylvestre, il a accepté parce qu'il est du rassemblement. Il est de l'UDPS. Aujourd'hui, on peut tout dire. Même aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas tousser au sein de l'UDPS. Il sera exclu. Non, j'ai jamais vu un parti politique où le matin vous êtes ensemble, l'après-midi tu changes tu donnes ton avis même personnel, on t'exclut. Non, c'est pas la démocratie. Parce que la démocratie doit commencer dans nos partis politiques aussi. On ne doit pas venir réclamer l'état des droits quand vous ne respectez pas les lois de la République. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a lutté toute sa vie à cause de l'état des droits. Et aujourd'hui, ce qu'on voit au sein de l'UDPS, ce n'est pas la démocratie. Ils doivent d'abord instaurer la démocratie au sein de l'UDPS et
contenait la suite. La manière dont vous voyez la suite, parce que jusque-là, vous avez parlé de la population congolaise, vous et moi, nous sommes d'accord que l'UDPS, c'est un grand parti de notre pays. Lorsque la population réclame Étienne Tshisekedi à la tête de la primature, Félix Tshisekedi, excusez-moi, lorsque la population réclame Félix Tshisekedi à la tête de la primature pour crédibiliser ce gouvernement, cette période, que pensez-vous? Oui, mais je pense que la République ne va pas se réduire à la personne, celle de Félix Tshisekedi. On est plus de 90, on est plus de 70 millions. 80 millions d'habitants. 80 millions. Oui. Vous avez même ajouté. Oui. Voilà. On ne peut pas tous les jours dire, vous dites la population congolaise, mais quand vous dites la population congolaise... Une grande partie. La majorité de la population congolaise. Non, on doit arrêter. Quand on dit la population congolaise, là, on doit aller au référendum. Parce que la population congolaise, il y a deux modes. Soit les élections présidentielles ou le référendum pour voir qui a beaucoup plus de popularité. Oui. Voilà. Ce que vous dites, c'est les membres de l'IDPS qui réclament Félix Tshisekedi. Là, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis population congolaise. Je ne réclame pas Tshisekedi à la tête de l'exécutif congolais. Moi, je pense aujourd'hui, même si je l'avais dit avec je pense que c'était avec vous à l'émission précédente, je pense qu'aujourd'hui, même Félix Tshisekedi était premier ministre aujourd'hui, il ne va pas faire le miracle pour que du jour au lendemain, on commence à toucher 1000 dollars comme salaire. Ça, il faut faire la part des choses. Et aujourd'hui aussi, si Bruno et si Félix Tshisekedi n'a pas été nommé à la poste du premier ministre, parce qu'il y a eu les critères aussi qui tenaient compte de ça. Il y a eu les conditionnalités pour être premier ministre, comme on dit, prématurable. Il faut être. Voilà, donc je ne vais pas faire beaucoup de commentaires sur ça. Monsieur Willy, il y a une réunion qui a été convoquée par l'autorité morale de majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange, justement des questions pour essayer un peu de voir comment faire pour calmer un peu ceux qui sont en train de contester. Vous pouvez nous donner juste la suite de cette réunion, il y a eu quoi, et puis la suite, ça sera comment? Calmer la population congolaise aujourd'hui, c'est traiter le problème social. C'est d'appeler toute la classe politique à soutenir ces gouvernements. N'oublions pas que l'accord de Saint-Sylvestre a été signé. Aujourd'hui, tout ce qu'on parle là, c'est les arrangements particuliers. C'est pour mettre en pratique ce qui va se faire. Mais l'accord elle-même a été signé les 31. Nous, on demande à toute tendance confondue au fait toute la classe politique congolaise de soutenir cet accord. Si on demande ça, c'est parce que nous aimerions voir la souffrance de la population congolaise. Entre guillemets, de soutenir aussi ces gouvernements de Bruno Tshibala. Exactement. D'accord. Si on soutient l'accord, on soutient d'office le gouvernement de Bruno Tshibala. Oui. Moi, je me dis, ces gouvernements-là sont représentatifs. Il y a presque tout le monde qui a signé, sauf... la composante rassemblement LUMT. Oui. Et encore là-dedans, je vous ai dit qu'il y a deux personnalités qui ont été signées. Voilà. Donc je vois pas qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On va pas reculer encore. On va pas reculer encore derrière pour envisager un troisième dialogue. Où est-ce qu'on va amener cette population qui continue à souffrir jusqu'à aujourd'hui? D'accord. Moi, mon problème, c'est la population congolaise. Quelle est la mission clé, en un mot, de ces gouvernements de Bruno Tshibala? Il y a trois. J'ai parlé de la mission clé, phare. Non. Citez-moi les trois missions. Il y a trois missions phares. D'accord. Qui est signée au gouvernement Tshibala par les chefs de l'État. Oui. Le premier, c'est les élections. Oui. Selon l'accord de Saint-Sylvestre. Deuxième, c'est le social de la population congolaise. Mais quand on dit les élections, on voit la population, c'est la population qui va aller voter. Mais est-ce que la population va aller voter avec le ventre vide? Non. L'insécurité, on le voit aujourd'hui au travers de la République démocratique du Congo. Au Kasaï, à l'Est, on n'est pas en paix pour le moment. Alors, il y a trois
mission assignée par le chef de l'État. Oui. C'est ces trois missions-là qui doivent être mises en pratique, c'est-à-dire les élections présidentielles, le social congolais et la sécurité dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a, bon, je dirais, Rassemblement Limité accuse déjà que la mission de ces gouvernements, de Bruno Tshibala, ça c'est certain par rapport à certaines sources d'informations, c'est de pérenniser, de faire en sorte que le président Joseph Kabila Kabange demeure au pouvoir. Puis essayer un peu de créer une manœuvre dilatoire pour pas seulement réviser la Constitution, mais changer la Constitution, tout ça pour retarder encore les choses. Vous avez dit les élections, c'est comme si c'est compté un peu en arrière. Moi, je pense que réduire une personnalité comme Bruno Tshibala, aujourd'hui, à l'IDPS, je trouve il y en a plusieurs, mais je ne trouve pas une personne qui a la conscience de la souffrance de la population congolaise, qui a la capacité aussi d'avoir ou de mettre en pratique la politique de Félix Tshisekedi. Je ne le vois pas. Je ne vois pas. Moi, je pense qu'il faut donner la chance à ces gouvernements. Et je pense que Bruno Tshibala, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler comme les autres le disent. Parce que si c'était eux à leur place, ils allaient dire quoi? Parce que dans ces gouvernements, pour diriger un gouvernement, il faut seulement être une personne qu'on cite les noms tous les jours par les membres de son parti. Non, je pense pas que ça se passe pas de cette manière-là. Je pense que nous devons respecter la population congolaise. Nous devons respecter aussi les personnalités politiques. Nous devons respecter aussi la valeur de personnes, entre autres, et de Bruno Tshibala. Aujourd'hui, moi, je n'ai jamais été de l'UDPS, mais je connais cette personnalité. Je connais la capacité de cette personnalité. Moi, il y a une année en arrière, je voyais Bruno Tshibala toujours à la télé réclamer l'impérium de Tshisekedi. Moi, je le voyais encore. Et Bruno Tshibala n'a jamais trahi Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, on ne peut pas les réduire. Qui a la trempe de Bruno Tshibala à l'IDPS? Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup, mais pas la nouvelle génération. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Ce n'est pas ceux qu'on dit qui doivent être Premier ministre et qui peuvent être capables plus que Bruno Tshibala. Je ne le pense pas. Est-ce que croyez-vous que d'ici fin 2017 ou début 2018, aura-t-il des élections dans le pays? Écoute, l'accord. Les élections présidentielles. L'accord a été clair et net. L'accord indique qu'il y a des élections en décembre 2017. Si un contre-temps, l'accord a prévu 4 mois de plus. D'accord. L'accord avait prévu 4 mois de plus. Là, ça nous amène déjà à 2018. Hein. C'est pour ça que je lance. Avril. C'est la raison pour laquelle je lance encore un appel pathétique à la classe politique congolaise, oui. Entre autres aussi le rassemblement Limité. Parce que nous souhaitons qu'il y ait des élections. Oui. Aujourd'hui, nous devons donner la priorité à l'élection présidentielle, législative et provinciale, comme a été prévu par l'accord de Saint-Sylvestre. Alors aujourd'hui, revenir encore derrière pour dire que non, ces gouvernements-là, ça ne va pas. Mais c'est pour chercher quoi encore? Un dialogue. Mais attends, regardons la population congolaise. Je n'arrête pas de dire. Regardons la population congolaise, soutenons cet accord pour qu'ils puissent travailler dans le compte de la population congolaise. C'est très important pour la sécurité aussi dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est très important. Lors du dialogue de Sun City, nous avons vu président Joseph Kabila Kabange, avec pour l'amour de son pays, la République démocratique du Congo, il a accepté le 1+4. Ça n'a jamais été fait nulle part dans le monde. Et puis, il a été vraiment, ça dure, prôné comme père de famille. Ça dure quelqu'un qui avait vraiment l'amour de notre pays. Ça dit accepter le 1+4 qui n'a jamais partagé le pouvoir. Est-ce que le président Joseph Kabila Kabange de ces temps-là, il est le même?
aujourd'hui, ou bien ça commence un peu à changer un peu, parce que quand on est au pouvoir aussi, laisser puis partir comme ça, vous avez dit que nous nous sommes en Afrique, vous pouvez réagir comment? Si vous voulez que je réponde à cette question, je vais vous renvoyer aux archives. L'initiateur de ces dialogues, c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila haït le pourparler avec l'UDPS. Vous le savez très bien. C'est pas quelque chose, c'est pas un secret des polichinelles. Tout le monde le sait qu'ils ont été à Ibiza, ils ont été à Paris, ils ont été en Espagne. Donc, c'était pour faire quoi? Pour trouver une solution. Il haït ce dialogue sans le rassemblement. C'est qui encore qui a fait appel au prélat catholique de l'Ancenco dans notre pays? C'est toujours le président Kabila, dans le souci de trouver l'inclusivité, dans le souci d'organiser les choses bien. Je pense que Kabila est toujours cette père de famille qui veut le bien de Congo. C'est vrai qu'on a des difficultés à comprendre Kabila. Je sais que Kabila est mal compris. Les jours où Kabila ne sera pas là, beaucoup de gens vont dire que non, c'était un gardien. Voilà, c'est ce que je peux répondre. Est-ce qu'on peut parler de la démocratie dans notre pays à l'heure actuelle, pendant que nous voyons le siège de certains partis politiques de l'opposition cadenassés, et nous voyons la fermeture de certains partis politiques de l'opposition? C'est comme si cette démocratie, que la majorité a toujours dit, c'est comme si on est en recul ou comment? Mais c'est très simple, vous dit. Je vais vous répondre très simplement que la démocratie n'est pas n'importe quoi. La démocratie n'est pas la libertinage. La démocratie, si on prône pour la démocratie, on doit respecter les lois du pays. Si on prône pour la liberté d'expression, n'est pas synonyme à injurier des gens du matin au soir. Nous devons examiner notre démocratie, la façon de faire. Nous devons nous-mêmes faire l'examen de conscience ou l'autocritique. Est-ce que la démocratie, moi, Willy, je l'ai fait comme c'est demandé? Parce que la démocratie, c'est la liberté de l'autre. La démocratie, c'est respecter la pensée de l'autre. Ma liberté s'arrête là où ta liberté commence. Je pense que la démocratie au Congo, nous devons la définir parce qu'on fait beaucoup de confusion sur ce thème de la démocratie au Congo. Voilà. Lorsque M. Kyungu, président de l'UNAFEC, réclame la neutralité des forces des armées congolaises, c'est comme si l'armée est privatisée, c'est-à-dire que c'est rien que pour la majorité. Lorsqu'un problème se passe au sein de la majorité, là, la loi n'est pas appliquée. Si au sein de l'opposition, là, on applique la loi. Lorsque Kyungu réclame comme ça la neutralité des forces armées, je comprends. Vous pouvez réagir. Oui, je comprends. Vous faites allusion aux manifestations qui ont été dispersées à Lubumbashi. Oui. Je suis tout à fait au courant de cette manifestation. Oui. Mais je pense que l'armée n'est pas privatisée. L'armée congolaise marche avec la loi congolaise. La manifestation est interdite. Vous le savez, depuis le décembre, il y a eu beaucoup de morts dans notre pays, jusqu'à nouvel ordre. On ne peut pas brader cette interdiction parce que vous êtes M. Kyungu. Non, on doit respecter, encore une fois, je reviens encore sur la démocratie. La démocratie, c'est le respect aussi des textes. Alors, quand vous bradez, vous avez l'armée, pas l'armée, la police derrière vous. Parce que la police, elle fait quoi? Elle fait respecter les lois de la République. Voilà. Monsieur Willy, nous encheminons petit à petit à la fin de notre entretien. J'aimerais que vous puissiez adresser un message assez particulier en l'endroit de la population congolaise par rapport à ces gouvernements. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez de la population congolaise? Avant d'adresser la parole à la population congolaise, je vais d'abord lancer un appel à la classe politique, toutes tendances confondues, de soutenir l'accord, de soutenir le gouvernement Bruno Tshibala. Pourquoi je dis de soutenir le gouvernement Bruno Tshibala?
c'est parce que notre population a beaucoup souffert. Ayons pitié de cette population-là. Mettez l'eau dans vos verres. Transcendons la différence. Même si vous n'aimez pas la personne de président Kabila, mais je pense que vous aimez votre population. La population souffre. Soutenez le gouvernement afin de sortir la population dans le gouffre où il est actuellement. À la population congolaise, je vais vous demander simplement de soutenir le gouvernement parce que vous savez, tous les jours, il y a le taux des dollars qui ne cesse pas de grimper. Vous savez qu'il y a le carburant qui monte. Vous savez aussi qu'il y a des défis énormes qui attendent ces gouvernements. Alors, si vous ne soutenez pas ces gouvernements, c'est comme si vous vous mettez dans la prison. Soutenez ces gouvernements et tous ensemble, on ne sera pas dessus. Lorsque le porte-parole de la majorité présidentielle, André Atundu, fait appel aux acteurs politiques qui font partie de ces gouvernements, de la majorité aussi, bien sûr, de faire preuve de loyauté sans faille à l'autorité morale de l'MP, majorité présidentielle Joseph Kabila Kabange. Ça s'explique comment? C'est-à-dire, ce gouvernement doit se pencher beaucoup plus du côté de Joseph Kabila Kabange, c'est-à-dire soutenir l'action de Joseph Kabila Kabange, c'est-à-dire ses idées, tout et tout. Vous pouvez nous expliquer, nous éclaircir là-dessus? Mais vous savez que le chef du gouvernement numéro un, c'est Kabila. C'est Kabila qui est dans la directive et c'est matérialisé par le Premier ministre. Il n'y a pas beaucoup d'explications à donner à ça. Donc, ils doivent suivre la vision du chef de l'État. Même Bruno Tshibala, c'est le premier ministre à Joseph Kabila, qui est le président de la République démocratique du Congo. Donc, ils doivent suivre, ils doivent être loyaux. Parce qu'on sait que lui, il est loyal. Donc, vous confirmez qu'il n'y aura pas la révision de la Constitution, il n'y aura pas le changement de la Constitution. C'est prévu. En tout cas, c'est prévu nulle part. Ni à D'accord. l'intention de la majorité présidentielle. D'accord. Quoi que, parce que c'est un peu flou de ce côté-là. Non. Bien que c'est démocratique, mais ce n'est pas prévu par la majorité présidentielle. Certains opposants disent que voilà, tout ça, c'est pour préparer la révision. On a l'habitude des chansons de certains opposants, comme vous l'avez dit. On a l'habitude de ces préjugés. On a l'habitude. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va arrêter la République à cause des préjugés. Il est temps qu'on ait la maturité politique, il est temps qu'on dise des choses véritablement. On n'a pas besoin d'avoir les gens qui ramassent les informations dans la rue pour venir l'exposer à la télé ou à l'Internet. Monsieur Wittinger, je signale que vous êtes candidat aussi, candidat député provincial. Croyez-vous qu'il y aura vraiment des élections? Moi, je suis de la majorité présidentielle. Je vous dis que nous, on croit aux élections. Parce que nous, on aimerait ces élections-là. On est premier parti ou un regroupement politique qui s'appelle la majorité présidentielle qui avait mis en place le central électoral. On est parmi ou on est premier parti ou regroupement politique qui a sillonné toute la République pour sensibiliser les gens pour les enrôlements. Alors, on est pour les élections et on croit aux élections. Un message particulier en droit aux électeurs, surtout des Kitambo. Vous êtes candidat à Kitambo. Alors, j'appelle à toute la population des Kitambo que votre candidat est bel et bien là. On se voit de temps en temps. Je serai au Congo à la fin du mois. J'aimerais que vous restiez toujours sur vos gardes. Il ne faut pas qu'on vienne vous tromper avec des t-shirts ou 2000 balles pour que vous votiez des candidats qui ne coûtent qu'un balle en réalité. Il faut regarder les projets. Voilà. Il faut regarder les projets parce qu'il y a des gens qui vont venir avec les t-shirts mais n'ont pas des projets. Une fois, vous les votez et vous ne les voyez plus. Alors moi, je mange avec vous, je cours avec vous, je bois avec vous et puis on cause ensemble. Vous me connaissez, je vous connaissais, je connais vos souffrances. Et je pense qu'il y a qu'une personne qui connaît vos souffrances qui peut venir à votre secours. Voilà ce que je peux vous adresser comme message, vous, la population de Kitambo. Voilà.
Ainsi prend fin cet entretien. Monsieur Willy Tchinga, je vous remercie énormément d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité encore une fois de plus. Okay. Merci. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Si l'émission vous a plu, dites merci à celui qui assure la réalisation de Mac UVP. Et puis moi, je vous remercie énormément. On se retrouve très très prochainement pour un autre numéro de cette grande émission Trésor pour dit HDV. Merci à Abraham Djello, merci à Félix Jola, merci à Nanouchka Mokango, merci à Madame Tania, c'est-à-dire Boyanga. Bye bye. Et on se retrouve très très prochainement. Merci. Restez toujours connectés sur UVP 2.